y a pas de temps à perdre parce qu'on est avec. Mais pardon. Mais qui c'est celle-là? Comment ça, celle-là? Bah, celle-là, c'est Denise Pauvre. Je viens présenter l'émission de Stéphane Collaro. Alors, dégage. Ça m'étonnerait, hein. Vous n'avez vraiment rien à faire sur la scène. Comment ça? Bah, c'est ce qu'on va voir. Alors, attendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Mais non, enfin. Oh, mais elle va se taire, cette grue. Oh, comment ça, cette grue, crue-toi-même. Bonsoir. Mais, mais laisse-moi, il va y avoir l'antenne. Oh, mais arrête. Ah, ça. Fais que ça. Oh, oh, elle est toute nue. Elle est toute nue, c'est bien fait. Téléspectateurs, vous devez recevoir parfaitement la 5. Si ce n'est pas le cas, téléphonez au 47 47 74 44. Bon, ça va, j'ai compris, vous recevez mal la 5. Je le sens, mais j'ai pas l'image du tout. Je vous reçois très bien, mais c'est-à-dire que je vous reçois à l'envers. Ah bon, et d'où appelez-vous, monsieur? Ah, de chez moi. Ah oui. Bon, comment ça à l'envers? Qu'est-ce qui est à l'envers? C'est l'image ou c'est le son? Ah non, c'est l'image qui est à l'envers, oui. Qu'est-ce que vous avez comme courant, du 110 ou du 220? Ah ben, nous, on n'a pas l'électricité. Ils ont même écrit la marque à l'envers. Allô, monsieur, allô? Ben, c'était pour vous dire que je recevais bien la 5. Ah, d'accord, bonjour les cons. Oh. Macho Coco, macho papo, t'as pas le look Al Pacino. Macho Coco, papo macho. Je suis trop ému. Ben non, vous ne rêvez pas, puisque ce soir, cette émission aura lieu en direct depuis le tout nouveau commissariat modèle des débuts de Chaumont, mon capitaine. Monsieur Gallat, vous permettez? C'est trop gentil. Ah, voilà Marcel, notre premier client. Voilà, mais j'ai Monsieur Collaro, ouais. Bon, qu'est-ce que vous allez lui faire? On va lui faire inaugurer notre nouveau commissariat. Ah. Allez, Marcel, tu jettes la bouteille contre le mur. Ah, non! Eh, jamais! C'est un crime, ça! C'est gentil, Marcel. Non! Marcel, sois sympa. La télé est là, il y a les caméras. M'en fous! Marcel, si tu ne le fais pas, je te fous au trou pour quel jour? Bon, c'est bien contraint et forcé. Pardon, Saint-Nicolas. Oh, du gros rouge qui tâche. Bravo. On dira ce qu'on voudra, mais la police est en train d'évoluer. Absolument, M. Collaro, absolument. Il y a eu tout d'abord les uniformes. Exactement, mais il n'y a pas que les uniformes, les méthodes changent. Ah ben là, cette jeune femme a été violée sauvagement. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais ils font une reconstitution. Ah oui, pardon. Voyez, les hommes vont jusqu'au bout, il n'y a pas de trucage. Hein. Bon. Voilà, c'est bien. Allez-y, les garçons, allez-y. Attends, on va faire une démonstration de self-défense. Mais il est tout seul. Et justement, c'est ça la nouveauté. Il va tout seul s'attaquer, se désarmer, se mettre KO lui-même. Tenez, attention, c'est très dangereux, reculons un petit peu. Go! Arrête, mon garçon, c'est très bien, merci. Vous avez vu, M. Collaro, c'est très efficace. Très, très impressionnant. M. Collaro, cet homme va vous faire une démonstration de tir résolument moderne. Allez-y, mon garçon. Et voilà, bravo, en plein dans le mille. Mais, mon faux capitaine, mais en plein dans le mille, il n'y a pas de cible. Mais si, justement, la cible, on l'a fait autour du trou de balle. C'est ça, la méthode résolument moderne. Vous en voulez une? Quoi? Ben, une cible autour du trou de balle. Mais non, vous comprenez mal. Attention, car elle a soutenu. Bonjour, docteur Sidney. Ah, bonjour, madame Pollin. Quelle nouvelle? Rien. Ah, bah si, j'ai une lettre pour vous. Une lettre pour moi? Une lettre pour moi, c'est bien. Alors,
Espèce de babouin de toubib, j'aurais ta peau, arrête de me faire passer pour une folle dingue. Je suis là en face de vous et je ne sais pas ce qui me retient de te gifler. Mais c'est une lettre anonyme. Ah ça, ça m'en a tout l'air. Mais qui peut bien m'envoyer une lettre anonyme? Ah ben je sais pas, je l'ai pas signée exprès. Ah,